pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Alors on se retrouve face à Lone CB pour ce premier combat de ce freestyle. Donc salut à tous, avant goût mangulier. Donc freestyle 19, sûrement. Je sais pas trop les numéros de mes vidéos, vu que je les fais un peu, pas à l'arrache, mais je les fais en freestyle, voilà. Donc je m'amuse pas à compter le nombre de mes vidéos. Alors, mon petit Lone CB, là, c'est un yop de compète quand même celui-là. Faut qu'on fasse gaffe, bah, un yop de compète. Je le connais quand même, il est quand même bien opti, bah je le connais. Je sais, je le connais vu qu'il fait du PVM, il fait pas mal Free 3, donc il a quand même une optimisation qui reste correcte. Vous voyez, il arrive quand même à me faire du moins 1400 à la première colère. Bon, c'est pas comme si j'avais des résistances de ouf, mais il m'a fait un bon, mais ça reste quand même très 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 correct. Donc un petit destin, je suis obligé, petite félin, et on va même se faire, voilà, excusez-moi, un petit top cage. C'était magnifique. Donc on va valider. 2275 points de vie. Là il va me choper avec épée de diop sûrement. Non, il va décider de bon, sûrement une précis. Non, des dagueries. Moins 700 la daguerie. Là ça rigole pas. Faut à tout prix que j'évite la colère de Yop en fait. Donc ça veut dire que ça va être constamment ceci de fait. On joue safe, on va dire, félation, destin, et top cage. Je devrais faire un bluff en fait avant de faire top cage. C'est vrai que j'y pense pas forcément et je vais aller me cacher là-bas. Pas besoin d'un PM en plus. Normalement, je devrais pas mourir ce tour-ci. Par contre, le tour suivant, je suis obligé de faire la chance des cas parce que la colère va tomber. Faut surtout pas que j'oublie que la colère tombe. Voilà, pour le moment ça passe. Pour le moment ça va tout à fait. Alors, 450 agilité. Je vais aller carrément même à son cac, parce que moi je suis un gars comme ça, tu vois. Et faut que j'arrive à lui enlever le maximum de vitalité tout de suite. Ce serait bien que le bluff agi passe. Si le bluff, voilà, le bluff agi n'est pas passé. Donc je décide de faire un petit tour rien, histoire de choper un peu de recon. Et même encore pour me faciliter le travail, je vais faire ça. Normalement, là, je devrais éviter la colère de Yop. Par contre, c'est pas forcé que j'arrive à le battre. Parce que j'ai double dégâts après. Ah, il va se barrer à l'autre bout de la map, histoire de se sauver un peu. Moi, pour le moment, bah, s'il est à l'autre bout de la map, ça m'arrange. Donc, je vais faire ça. Petite roulette. Ah, 50 dommages. Donc on va laisser le Doppel y aller, carrément, on va lui faire ça, on va même lui offrir du PM. Ah putain non, je me donne mes PM à moi alors que j'en ai pas besoin, c'est le Doppel qui en a besoin. Hop, et on va se barrer au loin là-bas. Le Doppel devrait avoir la ligne de vue pour faire des bluffs, si j'ai bien calculé, c'est bon. Nickel, et là, ça va être des gros bluffs, moins 319, moins 278. Et un autre à moins 270. Il cogne ce caca. XZ, ouais. Il fait plutôt mal. Bon, il a buté avec, avec le Doppel, mais il vient de lui mettre du moins 900. Hein. Donc c'est pas rien du tout. Il se la joue à la full vitalité. Donc c'est vrai que là, par exemple, il a une vitalité. Il a deux vitalités en cours. Au bout d'un moment, il va mourir. De toute façon, donc ça sert à rien que je force plus que ça. Le truc, c'est que même je joue avec mon chaton. Pas besoin d'essayer de le battre plus facilement que ça. On joue avec le chaton et on attend. Le chaton va nous soigner pendant un long moment. Et en fait, faut oser que Lone vienne nous attaquer. Mais là, il est parti trop loin. Je pense avoir aucune chance sans Ini, en fait. C'est vrai que quand on a l'initiative, ça change tout à fait un combat. Et le Yop, c'est vrai qu'il est vraiment, voilà, il est vraiment bloqué là, il peut vraiment pas faire grand chose parce qu'en plus j'ai ma chance d'écart encore prochain tour. Là il va me taper encore un peu, j'ai encore le chaton à côté. Non, je devrais, non, je suis obligé d'un peu avancer. Ouais, il fallait que je fasse gaffe à la colère de Yop, mais en fait elle va tomber tour 9 exactement, la colère de Yop. Donc ça me sauve un peu. Bah, ça me sauve sans trop me sauver non plus, mais je veux dire, ça
Le truc en fait, voilà, je vais tout simplement le fourbiner et me mettre un petit contre-coup, histoire d'assurer la victoire, on va dire ça comme ça. Comme ça, il va venir à mon cac et ouh, bah, il va même mourir avec la vitalité. J'avais pas fait gaffe à ça. Bah, en tout cas, GG à Lone SCB. Alors, on se retrouve pour un numéro de freestyle. Je ne sais pas quel numéro c'est. En défi, il vient tout simplement face à Roxiliam. Il y a 199, 12, 5 avec 4000 points de vie. Alors, face au Yob, c'est toujours la même technique. Il faut vraiment essayer de se tenir le plus loin possible du Yop, car le Yop est un danger, on va dire ça comme ça. Même si le premier tour, on peut toujours essayer de lui mettre le maximum de dégâts qu'on peut, vu que il va pas pouvoir nous atteindre directement comme ça ici. Et ensuite, on essaye de s'éloigner le maximum. Donc, vous voyez ici, on lui a déjà presque mis plus de 1000 dégâts avec Top Cage, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors là, vous voyez. Vous allez voir, je vais vous montrer Esprit Félin, le type d'Esprit Félin. Là, il croit vraiment avoir gagné le combat, de m'avoir bloqué définitivement. Il se dit, ouais, prochain tour, je précipite, je le pawn et tout. Et vous allez voir l'utilité d'Esprit Félin. Et ça, c'est vraiment cool qu'il ait ajouté. Ouh, en plus, une 400 force. Il a pas beaucoup de chance, ce petit Roxliam. Et je viens de fail ce que je croyais. Bon, bah tant pis, regardez. Hop! On va faire un autre truc. Oh, ça marche mieux comme ça. Et voilà. Fail, XD. Bon, ok, c'est moi qui ai fail, je suis d'accord. Mais bon, j'ai quand même réussi à m'échapper. Mais je croyais. En fait, c'est rare que j'ai l'occasion d'utiliser ça, etc. Bah, que j'ai. Je l'ai pas encore utilisé en fait en 1v1. C'était la première fois que je vous l'avoue que j'utilise en 1v1. Parce que c'est vrai que bah, j'ai fait pas mal de choses sur l'île Noël ces derniers temps. C'est vrai que j'ai fait. Bon, il y a eu les fêtes, etc. Donc j'ai pas eu trop le temps de jouer. J'ai parcouru pas mal l'île Noël. J'ai fait quelques donjons. J'ai fait aussi quelques quêtes, etc. Je suis à 30% à peu près des succès de Noël. Je cherche pas forcément l'ornement. Mais je voulais un peu visiter. Le Yop qui s'est vitalité. Donc c'est vrai que depuis la mise à jour 2.7 avec les examens et tout ça avant, j'ai pas forcément eu le temps de jouer. Là, j'ai une roulette agilité qui peut être quand même très 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 intéressante pour moi. Si je le tente de jouer réflexe. Il faut vraiment que je joue avec la chance là. Essayer de tomber sur des réflexes agilité qui ne vont pas tomber. Il y en a même aucun qui ne va tomber. Donc ça, c'est juste fabuleux. Et maintenant, on va essayer de se barrer le plus loin possible. Même si avec 3 PM, on peut pas faire grand-chose. Et en plus, je me prends des dégâts. Je me suis pris moins 230. Bon, ça va. Moins 230, ça passe easy. Là, il y a une épée du destin qui va sûrement tomber. Qui risque quand même de faire assez mal. Une précipitation aussi, sans doute. Alors, un petit souffle. Ah non, la précipitation qui tombe pas. Donc, ça veut dire que tour suivant, c'est la précipitation. Il va essayer de me finir au tour suivant. Donc là, je vais jouer chance des cas. Ça veut dire bah, tout simplement une immunité, pratiquement, on va dire. Et on va tenter de jouer bluff chance. Voilà, trop de résifeu. Oui, c'est vrai que là j'ai le malus de résistance avec roue de la fortune, mais sinon, c'est vrai que j'en ai 30%. Donc on va encore tester le petit bluff, encore un petit bluff haut qui passe. Est-ce que le tour rien passerait? Est-ce qu'on aurait la chance? Non, bon. En tout cas, je me fais une jolie recon. La Flamiche à 131, j'y crois pas trop, pas grave. C'est-à-dire que tout simplement, eh bien, on va pouvoir le finir le tour suivant. Soit, bah non, il est pas con pour me taper autant, je pense, avec la chance des cas. Ce serait une grave erreur de sa part. Non, voilà, elle va essayer de résister encore un tour. Mais là, je l'ai taclé. Votre soin. Ouais, c'est. Elle a pas. Oula, voilà, gros soin. Mais ouais, là c'est vrai qu'elle peut pas faire grand chose. Chance des cas, c'est assez cheat maintenant quand on est au dernier tour de survie comme ça. Quand on est prêt à le finir, quand on est sûr de le finir au tour 2 forcément. Et bien là, tout simplement, voilà, 1000 points de vie. 1000 points de vie, je lui enlève, je pense quand même. Assez facilement, en plus une roulette 400 chances. Donc, à moins que je dise des bêtises, ça dépend les bluffs que je balance. Ça dépend de celui-là. Non, voilà, vous voyez que je le finis même pas, donc je dis des conneries. Donc je vais tout simplement me faire un contre-coup pour m'assurer la victoire. Et pour faire un petit moins 73 à la Flamie. J'aurais peut-être dû tenter
le bluff. Mais c'est vrai que 1000 points de vie là d'un coup, ça fait assez bizarre. Et là, elle va sans doute essayer de me kill. Il me reste 3500 points de vie. Elle s'est pas précipitée. Elle s'est précipitée. Épée du destin à moins 2000. Ça risque d'être serré. Ok, c'est bon. J'ai survécu. En fait, j'ai dit de la merde. Je pensais gagner facilement le combat, hein. Je vous assure que je pensais vraiment le gagner facilement. Bon, j'ai fail avec le chaton, etc. J'aurais pas fail. Je pense que j'aurais pris un avantage assez conséquent. J'aurais pu le finir. Vous voyez que ça joue vraiment à rien. Je fais une erreur, par exemple, avec le chaton qui est quand même assez grosse. Et je perds donc 3 PA assez inutilement. Même si je le tapais, etc. Ces 3 PA-là, j'aurais pu les utiliser pour en prendre l'avantage. Un avantage, je sais pas, un autre truc plus tactique. Mais c'est vrai que le Yop, une fois qu'il vous a à votre corps à corps et qu'il a plus que 1500 points de vie, vous vous dites c'est dur de quitter son corps à corps, surtout quand on a chance des cas. Et c'est vrai qu'on se fait tout de suite pawn. Alors on se retrouve face à Legendouné, un Sacrieur en 11-6 avec 5878 points de vie. Donc quand même pas mal de vitalité, quand même, faut se l'avouer. Donc Sacrieur, ça veut dire on évite tout simplement tout ce qui est. On évite tout simplement tout ce qui est invocation, car il peut facilement nous choper à son corps à corps. Là, on lui fait quelques top cage. D'ailleurs, on voit la différence entre. Ah, il a 15% de résistance et 30% de résistance. 38% de. Pas de pourcent, 38 résistance fixe. Donc, on voit quand même la différence sur les jets des top cage quand ils sont pas en CC. Heureusement que j'ai le petit tutu qui me facilite un peu la tâche. Ouh, il a un gros Arcoutentag tag qui fait du moins 823. J'ai intérêt de rester à hors de portée de son arc, parce que sinon ça risque de faire plutôt mal. Alors là, petite roulette, moins 58. Ouh, moins 525 aussi, un régène qui est plutôt cool. Et on va lui faire double top cage. Genre, on peut en diago ça maintenant. Bah ouais, faut lire la petite mise à jour, mon petit. C'est ça qui est assez abusé. Bon, je pense que là, même là, il peut me foutre un coup d'Arcoutentag assez facilement. Ouais, pareil, là, il va pouvoir m'en mettre un. Et bah, il va même m'attirer. Bon, ça va, en CC, ça fait pas tellement mal. Donc, c'est ça qui est quand même assez cool. Il m'a attiré. Il va me taper. Ça dépend de la roulette que je fais. Là, je vais peut-être pouvoir faire un combo assez intéressant. Bon, non. Pas une roulette super cool. Ce que je me propose de faire, c'est un combo qui ressemble à ça. Hop, petit destin, petit félin. On va se cacher, wesh. Hop là. Et normalement, ici, on est quand même un minimum tranquille. Du moins, c'est ce que je pense. On va bien voir. Je sais jamais en fait s'il faut rester le plus avancé possible ou rester le plus reculé possible sur un obstacle comme ça. Oh là là, du moins 1000 en CC. Faut vraiment éviter qu'il fasse des CC lui parce qu'il fait vraiment très très mal. Dopal Sacrieur qui est plutôt abusé et plutôt chiant aussi. Parce qu'il tape quand même très très fort ce petit Dopal, faut se l'avouer. Et en plus on stack tous les deux. Alors, je vais te pousser avec ma petite libé, vu que tu me gênes un peu. La diagonale est où? La diagonale, elle est là-bas. Hop, on va lui faire un petit félin. Du moins, j'espère avoir la PO nécessaire. Nickel. Hop. Pourquoi pas un petit top cage? Nickel. Et on va se planquer dans cette diagonale là, même si je pense qu'il va encore me choper encore un petit coup. Ah ouais, il va m'avoir là, il va même m'attirer. Il va pouvoir me taper. Ouh, la punie, j'ai pas pensé la punie. Ouh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal de l'anal. C'est dommage. La punie qui fait très très mal, j'ai pas pensé du tout. Aïe 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 aïe. Bon, pas grave. Alors. Chance des cas, tout rien pour la recon de mon côté. Là, on va le forcer à se mettre en danger. On n'a pas besoin de fuir encore ce tour-ci. Ouh, gros, gros, gros bluff. À moins 458. Là, on va le forcer à se mettre en danger. Qu'est-ce que je veux dire par forcer à se mettre en danger? C'est à soit forcer de se barrer, mais surtout pas à me taper.
Et comme ça, moi, je mets mon contre-coup. Il va, par contre, il va se régène. Ouais, voilà. Par contre, il va se régène. C'est plutôt bien vu. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Honnêtement, bon, du moment que les invoques me tapent, ça c'est plutôt cool. Je vais tuer ces invoques. J'ai pas cherché à comprendre. Alors, les invoques. On va tuer celle-là comme ça. Celle-là comme ça. Et je me demande si il pourrait venir me chercher là-bas. Je me fais l'odorat, c'est peut-être dangereux, c'est vrai. Mais bon. Autant voir ce qu'on peut faire comme ça. Il a 8 PM lui aussi. Il a 8 PM? Non, il a pas autant de PM quand même. D'où il sort ses 8 PM? Ah, il y a une roulette de PM, quel con! Du coup, j'avais pas pris ça en compte. Je suis pas sûr qu'il m'a quelque part. Non, il m'a pas. Par contre, là, il va réussir à me choper. Mais il aura pas le. Il aura pas la... les PA, tout simplement, pour me tuer. Là, il va m'attirer. L'Arcoten Tag à moins 800, ça va. C'est ça qui me sauve là pour le moment. Parce qu'il a pas réussi à faire un CC avec l'Arcoten Tag. Alors. Là, j'ai pas mal de PA à dépenser. Il va falloir que je les dépense intelligemment. Voir si j'arrive à faire des CC avec les bluffs, ça serait bienvenu. Allez, CC, nom de Dieu. Voilà. Et ça m'étonnerait qu'il arrive à me toucher ici, à moins que ça soit un gros château de la vie. Et s'il arrive à me shooter, ça veut dire que je suis quand même en grosse, grosse difficulté. Ah, je vais rester collé là, mais ça m'étonnerait. Si il va me toucher, c'est forcé qu'il me touche. Et s'il me touche, je suis dans la merde. Il faut surtout pas qu'il cesse à l'Arcoten Tag, quoi. Parce que là, il va réussir à me choper comme ça. Là, il me chope, là. Là, il a la ligne de vue. Faut juste espérer qu'il cesse pas. Il a pas cessé! Il a pas cessé, c'est magnifique, il a pas cessé. ça joue sur des CC. Je vais dire ça, se joue sur des CC. XD. Ça joue vraiment à un poil de cul, là. C'est un truc de ouf. Ça joue vraiment sur un poil de cul, mais vraiment minime. C'est un truc de ouf. C'est assez ouf. Alors, en plus, une roulette coup critique. Bon, 800 points de vie, non, hein, j'ai pas besoin de coup critique pour le finir. Hop, et puis on va lui dire GG. On va lui dire GG. Voilà. A plus, les gens d'Ouné. Alors on est parti pour un combat contre Lila SCB, 3900 points de vie en 12-6. Alors, nous ce qu'on va faire, eh bien on va directement aller lui mettre de l'érosion. C'est ce qui me semble être le plus important. Alors, on va se mettre là. Petit réflexe, on va lui répondre oui. Parce que je lui ai demandé de, s'il voulait bien me faire un petit défi. Hop, on continue là-dessus et on va lui mettre le maximum de dégâts qu'on peut directement. Donc même si nous on se prend des dégâts, ça fera une vidéo de plus. XD. Donc voilà, on lui a mis un maximum de dégâts. Lui il nous fait quand même du moins 500, donc faut faire gaffe. Le but, voilà, c'était vraiment lui mettre un maximum de dégâts. Apparemment, il n'a pas l'intention de mettre ses armures, pas l'intention non plus de mettre une immunité. Donc là, pour le moment, ah si si, il a mis son bouclier FK. C'est ce que je me disais aussi, que ça me semblait plutôt bizarre qu'il n'ait rien mis du tout pour le moment. Bah nous on va jouer soft, hein. Hop là. Et on va partir se cacher. Fristounu, fristounu. En fait, je vous explique, je suis au Zabourgrad. Et au Zabourgrad, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me connaissent. Et depuis tout à l'heure, je me fais MP, etc. Donc coucou en tout cas à tous ceux qui m'ont dit bonjour au Zabourgrad. Ouh là là, il y a une grosse TP. TP, renvoi du bâton, sûrement un coup de cac, renvoi de sort, ok. Renvoi de sort est pas trop alarmant. Armure venteuse, ok, très bien. Petite libé, petite libé, petite libé, 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 petite libé, petite libé, petite libé, bébé, petite libé, petite libé. Hop, est-ce que j'ai tout, rien de dispo, j'ai tout, rien de dispo. Hop. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Ça s'appelle l'Arrokon Magistral. Comme ça.
Ça s'appelle aussi tu te barres en courant comme un gros enculé. Parce que sinon tu vas te faire dégommer. Ah bah non, justement, fallait que je reste là, c'est le prochain tour que je vais me faire dégommer. Donc là pour le moment il va essayer de me maintenir là où je suis. Pour le moment ça me va. La trêve, ok, bah très bien, ça m'arrange qu'il fasse la trêve là maintenant. Ce que je peux faire aussi. S'il y a une trêve, je réfléchis, je réfléchis. Trêve, prochain tour, il n'y a plus la trêve par contre. Ça veut dire qu'il va me taper. Si je me mets là, il peut pas me taper. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si je me mets là, il peut pas me rejoindre. Il pourra me faire qu'un aveuglement. Chaton, je t'invoque là. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Oui, ça devrait le faire. Et deux petites pilous. Il y a la trêve, même si ça me soigne pas énormément. C'est toujours ça de pris, 40 points de vie de près. Ça pourrait me sauver. Fini les dopous, on passe à J alors. XD. Oula, l'aveuglement à moins 668. Strigide. On va lui répondre Strigide. C'est vrai que là je me prends double dégâts. Mais l'aveuglement à moins 660, ça fait plutôt mal. Et j'ai perdu combien de PA en plus? 2 PA en plus. Oh là. C'est triché ça. Ah, je lui dis Strigide cache, il passe en incandescente. Le fourbe. Direct, c'est cache. Voilà, j'ai peur. J'ai peur de toi, Freeze. Freestache. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais faire, je vais aller rusher. Parce que rien à foutre. On s'appelle Freeze. Et on va lui faire quoi? Pour le moment, il a pas mis encore d'armure aqueuse. On va lui faire croire qu'on est. Eh bien, tout simplement. On va lui mettre. Oh. On lui met un coup, on lui met un coup. On lui met un coup. Allez, il a pas mis l'armure aqueuse. Pour le moment, ça nous arrange, nous. Par contre, on se prend des plus gros dégâts. J'ai failli bugger. Ça fait des plus gros dégâts. alors. On risque de prendre cher là. Contre un Fekka. Je sais pas jouer contre les Fekka en fait. Ça pique. Oui, en effet, ça pique. Je ne sais pas jouer contre les Fekka. Donc c'est ça qui est plutôt chiant. Alors, contre-coup, parce que là, ça va pas le faire aussi non. Contre-coup. Et je sais vraiment pas jouer contre les Fekka. Là, je sais pas quoi faire, par exemple. Ça va être bah, tout simplement en mode gros bourrin avec bluff, parce que de toute façon, j'ai pas d'autre chose à faire. Hop. Et ça va être aussi un esprit. On va essayer de lui mettre le plus de dégâts possible. Et là, je suis sûr, ça va être grosse immu prochain tour. Tu vas voir. Renvoi de bâton. Et ça va être grosse immu. Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain que c'est ça. Même pas. Il va essayer de me terminer. Ah, voilà, l'immu qui tombe. C'était obligatoire. C'était sûr et certain ce truc. Alors, nous, on va se faire une chance d'éca. Ah, ça me fait chier, sinon je nique mon chaton. Oh, je pense pas que je vais l'exploser d'ici, non. Voilà, c'est bien. Alors, petite pilou. Voilà, bon, plus 121. Plus 118. Le soin du chaton. À 200. Je suis pas sûr que ça va me permettre de. Ça va me suffire à survivre. Faut que je vérifie. Contre-coup, 1700. Non, putain, ça va pas me permettre de survivre. Non. C'est moche. Ah si! Oh, magnifique. C'était juste, hein, putain. C'était ultra juste. On va se mettre en état vénard. Hop. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'état vénard, on peut faire ça. Quoi? Non, mais non! Mais c'est censé me soigner! Mais non! Mais non! Non! C'est censé me soigner! C'est pas censé me taper, putain! Non! Putain, là, avec l'aveuglement, il me nique, là! Putain. Hop, TP en plus, et puis voilà.
Je croyais que ça me soignait avec vérité, avec l'état vénard. Non, bah non, c'est nul à chier ça. Non, non, c'est pas faisable. Bon, bah tant pis.